Salut à tous, c'est JD, bienvenue dans le 23e épisode sur Super Mario Last Impact, Last Impact, comme vous voulez. On va commencer par récupérer des vies, déjà, parce qu'on en avait perdu un petit peu quand même. On va récupérer des vies, on va retourner dans le niveau de la dernière fois. J'ai entendu que dans le niveau de la dernière fois, il y avait une étoile qui était super dure. Donc j'espère que on va réussir à l'avoir. Et de 7... Non. Et de 8... Et de 9... Et de 10. Allez, c'est parti. C'est parti. Non, c'est pas parti. Ok. Cette fois, c'est bon. On retourne dans ce niveau. On va commencer par essayer de choper celle qui est tout en haut. Parce que les étoiles où il faut monter, c'est vraiment le truc qui me saoule le plus, je pense. Ah, mais alors attendez, mais il n'y a pas besoin du coup. Si on a ça à notre disposition, peut-être que... Ouais, on va pouvoir potentiellement se téléporter. Ah, mais non. Parce que si on se téléporte, on va se retrouver... Eh, non, non, d'accord. Par contre, on peut peut-être quand même gagner un peu de... Passer un endroit un peu chiant. Bon, il y a moyen de skipper en allant, donc... Non, alors ça, ça me dites pas. C'est pas ce que je pense, j'espère. Merde. Ça a l'air d'être ce que je pense. Ok, on va retenter ce truc-là. On va retenter, parce que, à mon avis, il y a une étoile à la clé, là. C'est un truc qui a l'air difficile, mais il doit y avoir une étoile à la clé, je pense. Pour qu'il y ait deux Goombas comme ça, à la suite... J'espère qu'il y a quelque chose, parce que faire ça pour rien, pour le coup, j'aurais un peu le seum. Ok. Ils peuvent pas être là par hasard, c'est ce que je me dis, en fait. Ah, donc faut forcer à fond au deuxième. D'accord. J'ai bien fait de récupérer des vies en début d'épisode. Donc le premier, pas totalement... à fond, et le deuxième à fond complètement. Si je suis là juste pour des pièces, j'ai un peu le seum quand même. Hein. Je vous le cache pas. Non, d'accord, ok, c'est un petit raccourci des familles, en fait. C'est pas mal, ce petit raccourci. Ah, on va retenter le truc des... Ouais, on va retenter ça, je me débarrasse juste d'eux. Alors le truc c'est que la première, je sais pas comment on fait pour l'avoir. J'aimerais bien tenter avec un petit triple saut. Merde. Merde, je l'ai pas eu. Ok, là je l'ai eu, mais je vais mourir. Non. Deux. Trois. Il en manque une en plus. Ah, il en manque une, je sais pas où elle est. Il en manque une quelque part et je sais pas où elle est. Il y a quand même un moyen de monter beaucoup plus rapidement, même si c'est pas évident. Donc du coup, en fait, finalement, je disais que c'était un niveau qui me faisait penser à trop haute montagne, mais de par ce petit raccourci, il me fait plus penser à la route arc-en-ciel où parfois on avait un chemin alternatif, je sais plus à quel moment. Mais du coup, ça me fait plus penser à ça. Juste au début, d'avoir une petite liane comme ça. Donc. Ok, on est bon. Il faut que j'identifie où se trouve la cinquième pièce. Donc, au début, triple saut. Merde, elle est là, la première. Ah, je l'ai pas eu encore. Bon, bah c'est mort. Elle est pas facile à choper la première pièce. Bon, ça, ce serait quand même vraiment de la chatte d'y arriver trois fois de suite, et j'y crois moyen. Voilà. Ok, c'est bon. La première va être plus par là, il me semble. Ok. Merde. Ok, une. Ah, il y en a une qu'on avait pas eu tout à l'heure. Deux. 3, 4, et la cinquième, elle est où? Elle est au-dessus de ça, là. Ah non, je peux l'avoir que avec un triple saut, triste. Ce sera pour une prochaine fois. Mais en tout cas, j'ai compris où elles étaient toutes déjà, donc c'est déjà un bon point. De toute façon, on peut pas recommencer, il me semble. Non, une fois que c'est enclenché, c'est foutu. Le truc n'existe plus. Et ben écoutez, c'est parti, on va essayer de choper l'étoile qui est tout en haut.
Hop. Hop. Merde, alors ça, ouais. Wow. Ok. Bah, tant pis pour la pièce. Non. Bah, du coup, on a la pièce. Allez, c'est reparti. Ah. Je le sens mal. Voilà pourquoi je le sentais mal. Donc maintenant, il va falloir être très vigilant. Est-ce qu'on attend? Ouais, on va attendre qu'il repasse de la couleur bleue et ensuite, voilà. Et là, à la prochaine, on peut y aller. Hop. Et de 4, on va faire ça à chaque fois. Hop. Et de 5. Le 6ème est un peu plus chaud, il me semble. Là. Et de 6, ok. Là, on va attendre sagement aussi, une fois de plus. La prochaine, c'est bon. Hop là. Ok, et maintenant, on embarque. Parfait. C'est à quel moment qu'il faut sauter, en fait? Là. Je ne vois que dalle, mais alors que dalle. Ça glisse? Non, ça ne glisse pas. Ok, et ben première étoile de cet épisode, c'est la 67ème étoile. On va tout de suite retenter de faire le truc pour gagner le mini-jeu, là. Et ensuite, on chopera les autres étoiles hein, qu'il y a dans ce niveau. De toute façon, on aura encore besoin d'un épisode pour le faire. Peut-être pas un deuxième épisode en entier, mais on aura besoin au moins d'un épisode pour récupérer au moins une étoile qui restera. Peut-être même deux, en fait, je suis en train de me dire. Sûrement deux, parce que là, on en a... Ouais, là, on en a trois, en fait. On a 3 sur 7. Les mini-jeux, c'était grave cool. On avait débloqué le troisième il y a un petit moment déjà, et je sais plus, enfin je suis pas allé voir ce que c'était ni rien, je me suis pas spoil, je le garde pour le découvrir en même temps que vous, bah je sais pas quand il y aura un petit, enfin voilà, on verra, un de ces quatre. Ok, 4 vies. J'ai encore sauté trop loin. Et on a déjà plus que 3 vies, faudra aller recharger, pas oublier. C'est vraiment une séquence passionnante quand j'ai rechargé les vies. Mais voilà, les trucs comme les Goombas, c'est des trucs, des fois, on y arrive les premières fois, et après, ça devient plus dur. Je sais pas pourquoi. Yes. Donc pour la dernière, il faut impérativement un triple saut, la dernière pièce. Il faut essayer de pas perdre de temps sur la première aussi, c'est ça, je pense, qu'il joue un peu. Donc la première, elle va apparaître à peu près là. Ouais, voilà. Je l'ai encore pas eu et là ça va me coûter cher. Voilà. Normalement c'est bon, il me restera un point de vie exact. Mais ouais bon, ça pue un peu un point de vie. Parce que ça veut dire que si la plante me touche là-bas là, c'est foutu. Bon. Yes. On a débloqué le petit mini-jeu, ça fait plaisir. On va essayer de récupérer des pièces tout de suite, mais après, ce serait pas bien grave si on perdait, parce qu'en plus, je sais pas si dans la zone, là, il y a d'autres trucs à faire. Pour l'instant, j'ai pas trop compris. Hop là. Donc pour l'instant, on va essayer de... On va faire la première étoile, celle qui était prévue à la base. Pour une fois, on va respecter l'ordre. Enfin, pas du tout, mais on va aller faire la première étoile. Ok. Non, c'était pas par là. Ah oui, mais il y a un truc avec un Koopa aussi. Voilà, il est là, ce Koopa. Moi, je me demande quand même ce qu'il fait, là. What? C'est quoi, les bails? Ah, il y a du vent. Ah, il y a du vent. Ok, je suis mort. Je veux savoir ce que c'est cette histoire du Koopa, moi. Ça m'intrigue. Je pensais qu'on pouvait pas monter dessus, et en fait on m'a dit que c'était possible de monter sur le Koopa. Donc du coup, bah voilà, c'est ce que je viens de faire, mais après je... Ça a l'air chaud quand même, hein. Moi je vais retenter le truc du Koopa, du coup, là. Ça y est, je suis...
J'ai compris qu'on pouvait monter dessus, maintenant ça m'intéresse. Oui. Donc là, on va avoir de la... D'accord, on a du vent. Très bien. On a du vent par moment seulement. Est-ce qu'on va avoir du vent dans l'autre sens à un moment? C'est ça la question. Ouais. D'accord. Faut juste rester dessus en fait. Je sais pas ce qu'il faut faire. Faut juste faire un tour avec lui. Ah. Donc le but c'est de pas tomber, hein, de ce que j'ai compris. Ouais, il fait juste un 360 en fait. Ah merde, 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 merde. Mais il me dépose quelque part, je sais pas. C'est quoi cette étoile là? On fait des tours, c'est sympa, mais... Enfin, je veux dire, voilà, je comprends pas ce qu'il faut faire, vraiment. Faut aller sur sa tête, complètement. Ok, qu'est-ce qui s'est passé, là? Moi, je veux bien tenter des trucs, hein, mais... Je ne comprends pas ce qu'il faut faire. Aïe. Il y a un truc là. Ouais. Ah mais c'est dangereux ça, les Goombas qui volent là, à cet endroit là. Je trouve ça un poil dangereux moi. Les Goombas volants à cet endroit-là. Merde. Ah non, dégage. Aïe, aïe, aïe. Merci, la petite pièce, je la veux. Ah non, je la veux plus. Ah. Pourquoi ça me fait rien du tout? Hein? Non! Non! Ok. Je pense avoir compris le truc. On va devoir aller se recharger en vie, on est obligé. Tiens, j'avais jamais vu que... Je croyais qu'il y avait un tuyau là, mais en fait non, c'est... On peut pas rentrer à l'intérieur. Ouais, non, d'accord. Et bien on va aller recharger en vie, on va en reprendre au moins 10, je pense. Ça va être long, ça va être chiant, ça va pas être intéressant, je suis désolé. Ouais, pas facile ce truc du coup, pas. J'ai compris comment ça fonctionnait, mais c'est vrai que c'est vraiment pas évident. Donc, des vies. Non. C'est passionnant. On est qu'à 5. Non, je la veux. Ah non, tu me la donnes, s'il te plaît. Non. Non. PLS. Et de 10. Voilà, comme ça, on est un peu blindé. Eh ben c'est un premier décès. On a combien à 30 minutes pour cet épisode? Et on a combien d'étoiles? On en a pris une ou deux? Oh, on en a pris une seule pour l'instant, d'accord. Non. Ouais, tant pis, fuck it. Moi au début en fait je croyais qu'il fallait juste résister là et puis qu'ils aient un tour quoi, mais non. Mais regardez où il me dépose, comment je suis censé faire quoi?
Merde. Non, 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 ça va s'arrêter là. Ok. Ok, donc là il y en a 6. Mais regardez où il me dépose, cet enfoiré. Est-ce qu'il y a besoin de les battre au moins, les Goombas? Je suis même pas sûr en fait. Moi je me dis, ils sont juste là pour déstabiliser, mais on s'en fout de les battre. Je pense vraiment que c'est ça. Ah, bah voilà. Je suis mort aussi ou c'est comment? Ok, et moi je suis où? Ok, bon, bah voilà, bah ça va. C'est peut-être plutôt tranquille en fait finalement. Je sais pas si j'ai eu du bol ou quoi, mais... En tout cas, ça y est, on a notre 67e, 68e étoile. Et il nous en manque plus qu'une dans cet épisode avant de le clôturer. Donc eh ben, on va tout de suite y retourner. Donc du coup, on va prendre celle qui nous conseille de prendre. Très simplement. Hop là. Donc faut activer tous les switches. Et pas tomber dans l'espèce de lave qu'il y a là. Donc hop. Et 2-1. Ok. Enfin, c'est pas de la lave en fait, ça doit être du poison, je ne sais pas quoi. Putain, pourquoi il veut pas se raccrocher? Ah oui, il veut pas. D'accord, on peut pas se raccrocher au. Ok. Ok. Tac, là il y en a une. Ok. Là, on en a un, là. Oui, on en a un. Ok. Donc, on en a 4. Je pense qu'il y en a 5. A priori, c'est comme ça. En général, dans les hacks, il y en a 5. Alors, là, c'est le passage un peu chaud, du coup, vu que c'est pas de la lave, mais que ça vous tue instantanément. Non! Bah, j'ai voulu refaire un saut en longueur et ça a foiré. On va aller commencer par activer celui du fond. C'est mieux. Hop là. Ok, cette fois on a réussi. Putain, la caméra tourne s'il te plaît, merci. Ok. Donc là, ok, ok, et le dernier, ah oui, je sais pas s'il en reste un ou deux là, attendez, celui-là, oui, non, non, il en reste deux alors. Et celui-là. Et donc on a l'étoile qui apparaît au milieu. Bon, il s'agit juste de pas se viander avant, mais ça devrait faire normalement. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. C'était la 69e étoile. On essayera de choper celle qui nous manque la prochaine fois. Je sais pas si on y arrivera. Donc je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures. Salut. La suite de nos aventures. Attention.